La dynamique des femmes actives a réuni les différentes femmes autour d'une formation sur l'entrepreneuriat, une action qui vient porter un plus aux femmes défavorisées en ce mois de mars et dédiée à la promotion des droits des femmes. Les droits des femmes se célèbrent à travers des réflexions profondes capables d'assurer les compétences dans un univers de défis et d'adversités surtout masculins. La dynamique des femmes actives a réuni un échantillon des femmes sur l'entrepreneuriat. Recourant à sa devise fondée sur l'entraide, l'éducation et l'émancipation, DINAFA veut faire des femmes défavorisées les créatrices d'emplois afin d'être autonomes. Nous avons pensé inviter ces mamans fêter cette journée internationale des droits de la femme à notre manière, à la manière de DINAFA, c'est-à-dire les former dans le renforcement des capacités. Et nous pensons qu'elles ont pu comprendre et pris conscience des valeurs qu'elles ont et qu'elles pourront maintenant pratiquer ce qu'elles ont appris aujourd'hui. Pour ces femmes, cette formation vient jeter les bases solides pour assurer leur indépendance financière afin de subvenir à certains besoins. Les conseils nous prodigués à travers cette formation nous stimulent à travers une activité commerciale pour calculer le bénéfice et épargner. Ils nous ont appris qu'en tant que femmes, nous ne devons pas nous sous-estimer, car nous sommes aussi utiles pour la société. Nous, mamans, avons aussi la compétence pour aider nos familles et notre pays. Donc, nous ne sommes pas là que pour des futilités. Même s'il y a à faire, on nous a appris à nous en sortir à travers le commerce. Pour la DINAFA, le moment est arrivé pour s'affirmer et se confirmer au sein de la société.